Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui sur Dragon Ball FighterZ et on va tester un des deux nouveaux personnages disponibles sur le jeu. Comme vous le voyez à l'écran, en tout petit, en petit avatar, eh bien je parle bien sûr de Super Vegeto Blue. Il est tout mignon avec sa coupe bleue, mais apparemment c'est aussi un adversaire redoutable, un très bon personnage. Je ne l'ai pas testé encore, sachez que je ne me suis pas forcément tenu au courant de l'actualité autour de Dragon Ball FighterZ, donc je savais qu'il sortait. Mais j'ai pas regardé ses techniques, en fait je ne connais strictement rien au personnage. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps je vais aller le tester très rapidement sur le mode entraînement, manière de le prendre en main facilement et rapidement. Et puis ensuite on ira se faire un ou deux combats en ligne avec ce nouveau personnage, histoire de voir ce que ça peut donner, sachant que j'ai pas joué au jeu depuis bien longtemps. Mais bon, j'ai foi en moi et je me dis que grâce au pouvoir de SVB, on peut le faire, voilà. Donc je mets les lunettes, on met les lunettes et on va aller tester un petit peu le personnage. Donc comme je disais, je ne l'ai pas testé encore. Je sais qu'il y a Zamasu fusionné aussi, que j'ai pris d'ailleurs, vu que j'ai le pass. Zamasu qu'on testera en vidéo aussi dès demain. Par contre, c'est où qu'on... C'est ici, ouais, faut parler au monsieur. J'étais en train de me perdre un petit peu. Voilà, on va parler à Jean-Claude ici, on va se mettre à gauche. Et on va prendre du coup SVB, on va découvrir un petit peu ses compétences, ses techniques, etc. Il est où? Ah, il est ici. Ah, elle est stylée l'image en plus. Elle est stylée de ouf. Vas-y, bah ensuite on va prendre. Pour le kiff, allez, on prend Zamasu, mais on va pas forcément jouer avec. Et Tenchan. Il a quoi comme tenue SVB? Orange, jaune, vert. Oh, bleu comme ça, il est stylé. Rouge. Ouais, gris. Bah, tenue classique, hein. Ah, tenue classique, quoi, on s'en fout. Allez, tenue classique. On va partir dans la ville de l'ouest. J'aurais pu prendre, attends, la ville. La ville détruite. Ville détruite, ça passe mieux, du coup. Voilà, on va sélectionner auto au niveau des musiques, on s'en fout à la rigueur. C'est vraiment manière juste de tâter un petit peu le personnage et de reprendre un petit peu les touches en main. Comme je l'ai dit, j'ai pas joué depuis, depuis quelques mois. Et à mon avis, ça va être compliqué de partir faire un petit combat en ligne. Mais soyons fous après tout. On va voir l'entrée en scène. Ah, il n'y a pas d'entrée en scène sur le mode entraînement, c'est dommage ça. Ok, alors comment tu te déplaces? Ok, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors on va faire un petit auto-combo. Ok, donc c'est beaucoup avec les pieds, d'accord. Beaucoup avec les pieds pour démarrer, un écrasage au sol. J'aime bien là comment il écrase au sol, il soulève. Bam, ok, j'aime beaucoup cet auto-combo. Déjà, je l'aime bien. En plus, il a l'air assez rapide. Ensuite, le combo avec triangle. Ok, ça part à base de coups de pied, les bras croisés et tout, stylé. Oh, la grosse téléportation, le gros smash vers le sol. C'est pas mal ça. Ok, donc ça c'était un quart de cercle carré avant. Quart de cercle carré arrière. Ok, donc ok, d'accord, ok. Donc en gros, ça met un espèce de coup de genou. Je sais pas trop comment l'utiliser, mais c'est un espèce de coup de genou. Avec le rond, ok, donc c'est un gros coup de pied aussi. Pas de problème. Quart de cercle avec le triangle. Très bien. Alors ça là, j'ai pas compris encore. Ok, donc on peut faire des tacles vers le bas, ouais, comme ça. Ça marche. Ici, oh, stylé ça. Boum. Ouais, par contre, faut être au corps à corps, hein, pour ça. Ça me fait penser un peu au Hakai. Mais c'est pas vraiment ça, c'est juste une charge d'énergie. Quart de cercle X. Oh, stylé, il fait un petit saut. Stylé ça, et il envoie des kicks, quoi. Il en envoie plusieurs. Oh, ça c'est cheaté par contre. Ça, il y a plein de gens qui vont le faire en ligne. Parce que du coup, déjà, ça te permet d'esquiver en sautant. D'esquiver les petites boules qu'on peut t'envoyer. Mais en plus de ça, tu envoies des kicks, quoi, assez facile à mettre. Oh, c'est quoi ça? Oh, oh, il a utilisé l'épée. Stylé. C'était ça la technique, attends. Non, alors ça, j'ai pas compris ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais écoute, ça m'a l'air plutôt pas mal. Mais faudrait voir l'utilité de ce truc. Par contre, ça, c'est stylé, là, le coup d'épée. Ah, faut dire ce qui est, le coup d'épée, il est stylé. Ok, alors maintenant, attends, on va faire la shop déjà. Bon, la shop, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, mais... C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Ok, donc on va faire une attaque ultime, voir. Enfin, une attaque pas ultime, mais... Oh! Attends, tu peux la faire de loin, ça, là, ou pas? Et boum! Ah ouais! Bon, elle fait pas beaucoup de dégâts, mais elle est là, quand même. Ah, j'aime bien. Ah, elle est belle. Elle est grave belle. Et du coup, l'attaque ultime... Final Kamehameha. Ok, c'est un final Kamehameha. Et est-ce qu'on peut le surdoser ou pas? Voyons voir. Je veux voir si on peut le surdoser ou pas.
Non, j'ai pas réussi à le surdoser. Alors peut-être qu'on peut, mais j'ai pas réussi. D'accord, ok. Bon, ça me permet d'avoir une première idée sur le personnage. On va faire retour au hall. Et du coup, bah, comme je vous l'ai dit, on va partir se faire une petite session multijoueur. Donc je vous fais un petit coupage au montage, le temps de trouver un adversaire, etc. Et on se retrouve pour affronter un grand méchant en ligne. A de suite. Et deuxième adversaire trouvé, The Démoniac. Eh bien vas-y, on est parti, The Démoniac. Oula, il a un carré jaune, ça pue le caca cette histoire. Carré jaune, ça veut dire il est un peu vénère quand même. Ok, bon bah allez, c'est parti. Ça va être chaud, carré jaune, c'est que le mec il est assez vénère. Hein. Ah ouais. Oh, 38 matchs, 26 victoires. Wow, il est chaud patate. Oh, il est chaud patate, ça fait 40 ans que j'ai pas joué. Wouhouhou! On n'a pas l'adversaire le plus facile en face là. Hein. Bon, après, qu'on gagne ou qu'on perde, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. C'est longtemps qu'on n'a pas joué. Il a pris sa team tryhard là. Il a pris Trunks, Kid Buu et tout. C'est une partie classée aussi que j'ai lancée. Alors, j'espère qu'il va pas les skip. Je veux voir l'entrée de Végéto du coup. Ok, il se met en Super Saiyan. Ah, elle est stylée, celle de Trunks. Ok. La fusion. SV qui arrive. Et qui se transforme en SVB. Nice. Oh, stylé. Ça aurait été un combat sérieux si on t'avait combattu à l'époque. Stylé. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, bien ça. Bien joué de sa part. Tu ne vas pas me la faire à moi, petit coquin. Allez, c'est parti. On enchaîne avec SVB. On va faire un petit changement sur Gohan Ultime. Allez, c'est parti. C'est bon ça, on a réussi à esquiver. Technique du papillon rose. Allez, parfait ça. Ah, il m'a eu. Il m'a eu. Il m'a eu. Ça se fait bizarre de jouer à Fighters. C'est vraiment bizarre. Aïe, 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 ouais, il m'a fait son auto-combo de merde. J'avais zappé ça. Allez, c'est bon, ça passe. Ça passe. Boum. Alors là, toi, je t'enchaîne direct avec un petit combo. Tout ce qu'il y a de plus classique. Oh là, ça c'est stylé ça. Ah, bien joué la TP. Je m'attendais pas. Ah, GG. Ah, GG la TP. Ah, il est relou avec ses TP là. Allez, dégage. Dégage. Oh, c'est parti ça. Oh, ça va être beau ça. Oh, ça va être beau. Boum. Oh, le smash. Oh, les dégâts du smash. Merde, je me suis trompé touche. Je me suis trompé de touche. Ah, il m'a fait une chope. Ah, j'y crois pas. Il m'a fait une chope. Il est sérieux. Faut que je change de... Oh, les dégâts. Oh, les dégâts. Allez, SVB, meurs pas. Meurs pas, SVB. Ah là là. Il fait que défendre et chope derrière. Ah, j'y crois pas. C'est une blague. Allez, dégage. Ah merde, oh là là, il défend là, il défend sale. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Voilà. Voilà. Bien Tenshihan ça. Ah, crois ça. Bien ça, bien ça, Tenshihan. Allez, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pour SVB. Il joue bien parce que il joue assez défensif. Ce gros porc. Il joue défensif, regardez, il veut pas se livrer. Je peux pas l'attaquer là parce que si je fonce dessus, automatiquement. Ah ben bah, là, c'est bon, il y a eu une ouverture. Il y a eu une ouverture. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Oui, monsieur, ça passe. Meurs. Il est pas mort. Oh, bien le tacle. Dommage. Oh, bien ça. Ah, oh, c'est bon, je lui élimine son Trunks. Oh là là, SVB, il est en place. Il est en place, SVB. Il est en place. Ouh. Allez. Oh, bâtard, la TP, c'est une blague, ça.
Oh, ça passe. Ça passe le tacle. Non ! Non ! Non, SVB ! Meurs pas ! Meurs pas, petit ! Meurs pas, on va switch ! Aïe, 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 ça va être chaud de switch. Alors là, j'ai envie de te dire... Non ! Je me suis trompé de touche ! Oh, le con ! Je me suis trompé de touche, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hein. C'est pas du tout ce que je voulais faire, je suis un peu déçu. Bon, il passe. Oh là là, ça c'est beau ça. Ça c'est l'e-sport. Allez Tenshihan, tu le termines. Kikoho Pou. Et pour le moment, 2-1 pour Lilian. Eh, c'est tendu, c'est vraiment tendu, mais... Je suis obligé de me concentrer de ouf. Et il a utilisé son sparking, attention. Oh bien ça. Oh bien ça. Bien ça. Non, ça passe pas, ça. Jamais de la vie, ça passe. Jamais de la vie, ça passe, mon grand. What? Ah ouais, mais c'est vrai qu'il a son sparking encore, là, qui est activé, là. Je sais pas comment ça s'appelle, là. J'ai oublié le nom, mais... J'y ai pas cru. Non, ça passe pas. C'est bientôt la fin de son truc, là. Voilà. Ah, bien. Allez, hop. T'as cru? De toute façon, il a perdu avec le temps, il a perdu. Oh le bâtard, GG! Oh! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe, SV! Quoi? 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 Comment ça, il m'a eu? J'avais mon sparking qui était activé! Putain! Bon alors là t'es mort, là j'ai le maître Shaolin. Ah oh, le bâtard, GG. Ah c'est bon, c'est gagné. C'est une victoire, mais alors compliqué parce que le mec en face il défendait bien. Hein. Ah il défendait bien le salaud. Hein. Il défendait bien ce petit cochon, mais ça va, j'ai réussi à lui faire mal quand même avec, avec Guan Ultime et SVB du coup, plus qu'avec Tenshihan, parce que du coup il se baissait tout le temps vers le bas pour sa garde, et je pouvais pas utiliser mon ultime de Tenshihan. Sur ça, il a quand même bien joué sur ça. Il va faire la revanche, mais pas moi, j'ai pas le temps forcément, je suis désolé pour lui, même si c'est un adversaire qui était très très bon, et enfin en tout cas qui était à mon niveau, je dis pas très très bon, mais il était à mon niveau, et ça aurait mérité une revanche, mais bon, vu qu'on est en vidéo, je ne vais pas me permettre cette petite folie-là. Voilà, en tout cas, on va terminer du coup cette vidéo, nous avons réussi à gagner avec Monsieur SVB, on a pu le tester, franchement, j'ai bien kiffé, franchement, c'est un personnage assez rapide, qui a des combos qui sont... agréable à voir à l'œil, clairement c'est agréable à voir et même à jouer en fait, c'est rapide, c'est efficace et il a de très bons combos, voilà, ses attaques ultimes aussi, bon j'ai pas réussi à caler l'ultime ultime, mais j'ai calé sa grosse épée, son gros smash vers le sol qui a fait quand même pas mal de dégâts, donc dans l'ensemble, écoutez c'était plutôt sympathique, je sais pas ce que vous pensez du personnage, n'hésitez pas à me dire vous dans l'espace commentaire, en tout cas j'ai grave kiffé le jouer, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur Fighters, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire aussi, et notamment avec Monsieur SVB. Demain, je vous fais tester Zamasu, du coup, on verra ce que ça peut donner. En attendant, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Pensez à mettre un max de pouces bleus si vous avez kiffé cette vidéo. Et on se retrouve dès demain pour Monsieur Zamasu. Pensez aux réseaux sociaux aussi dans la description de la vidéo. Encore merci, passez une excellente fin de journée et à très vite. Ciao tout le monde!